to see you. C'est bon de vous voir. Been a long time. Ça fait longtemps. Is there anyone here I never met before? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous que first time que today. Yeah. Vous, c'est la première fois, oui. Happy to see you. Bless you. A brother from Angola. Praise God. Yes, you. Those of you have seen before, I'm very happy to see you once again. Donc, tous ceux que vous avez vu auparavant, je suis vraiment content de vous voir à nouveau. For those who's first time, hey. Et quand c'est les autres pour la première fois, l'île de pasteur Jean Bosco, il faut comme une from Angola. This is the pastor. This is the pastor. This is Angola. Absolutely, and he to him too, but he's not the pastor. This is the pastor. Well, good to see all of you. Oh, mais je suis content de vous voir tous. And I believe you are shining. Je pense que vous êtes en train de briller. Because the glory of the Lord. Parce que à cause de la gloire du Seigneur. Is in you. Amen. La gloire du Seigneur est en vous. Is going with you. Eh bien, il va avec vous. And rests upon you. Et se repose sur vous, donc la gloire du Seigneur. And it's my prayer. Et c'est ma prière. That after this weekend. Qu'après ce week-end. That glory will be even more visible. Que la gloire va être même plus visible. That you will shine even stronger. Que elle va briller encore plus fort. That you will become like Jesus. Et que vous allez devenir comme Jésus. That it's hard to hide you. Et que ce sera difficile de vous cacher. De pas vous voir. Because wherever you go, parce que n'importe où vous irez, the miracles, les miracles, the signs and wonders, les signes et les merveilles, merci, vont se manifester. It has changed lives. Et ça va changer des vies. Because of Christ in you. À cause que Christ est en vous. Heavenly Father. Dieu Céleste. I ask that you tonight come and touch everyone. Je vous demande de venir ce soir et de toucher tout le monde. And that you will come and reveal yourself. Et tu vas venir et te révéler. I pray for the spirit of wisdom and revelation. Je prie pour l'esprit de sagesse et de révélation. And I ask that you come and touch our hearts. Je demande que tu viennes et que tu touches notre cœur. And I pray for an outpouring of your spirit. Et je prie pour une grande of your love, ton amour, and of your fire, de ton feu, upon all flesh, sur toutes les chairs. Amen. Amen. You know, I was thinking about je pensais, the other day, l'autre jour. Some words in the Bible. Quelques versets dans la Bible. Actually, I dreamt about it. En fait, j'ai rêvé de ça. If you will go with me. Si vous voulez aller avec moi. To First Chronicles. Dans 1 Chronique. Chapter 13, verse 9. In First Corinthians. First Chronicles, the Old Testament. Il va chercher mes lunettes. Someone can tell me the number of 13. The, in our yes, but in our Bible, the number of the page because I don't. The Acts 13. Ah non, Chronicles 13. Yeah. Oui. Thank you. Welcome. Verse 9. Donc dans Chronique 13, le verset 9. 9 and 10. And when they came to Sidon's threshing floor, Uzzah put out his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. Donc le verset 9 dit, lorsqu'on arriva près de l'aire de Kidon, les bœufs faillirent faire tomber le coffre sacré. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and he struck him because he put out his hand to the ark, and he died there before God. Donc alors à ce moment-là, Uzzah essaya de la main de le retenir. Alors le Seigneur se mit en colère contre lui et le punit d'avoir osé toucher le coffre. Uzzah mourut là en présence du Seigneur.
I had a dream that I was teaching about this. J'ai rêvé que j'étais en train d'enseigner à ce propos. And there is another word, if you go to chapter 15, verse 30. Quand vous allez dans le chapitre 15, le verset 13. For because you did not do it the first time, the Lord of God broke out against us because we did not consult him about the proper order. La première fois, vous n'étiez pas là, et à cause de cela, le Seigneur, notre Dieu, nous a porté un coup mortel. En effet, nous ne l'avions pas consulté selon les règles. So it says that this happened because you did not consult God. Donc, il est dit que ça s'est arrivé parce que vous n'avez pas consulté les règles de Dieu. About the proper order. À propos de l'ordre correct. If you go to back to chapter 14, verse 10. On reprend dans le chapitre 14, le verset 10. It says, and David inquired of God, saying, shall I go up against the Philistines? David consulta Dieu, dois-je aller attaquer les Philistins, demanda-t-il. And many other places in the Bible, et vraiment pas mal d'autres endroits dans la Bible, we find words that is similar to this. Donc on trouve un verset qui est similaire à celui-là. We see that people, they went to inquire of God. Donc on voit que les gens étaient avec soif de se renseigner auprès de Dieu, de demander à Dieu. We see that David did it several times. Donc David l'a fait plusieurs fois. Before he went to war. Avant d'aller à la guerre. He went to God and asked for advice. Il a été, avant d'aller à la guerre, il a été vers Dieu et il lui a demandé son conseil. Shall I go? Est-ce que j'irai? And then here we see that the Lord said to him, go up, for I will deliver them into your hand. Et ici on voit que Dieu lui dit, va les attaquer, répondit le Seigneur, je te les livrerai. And I believe many times, je pense que plusieurs fois, we just run and do something. Nous allons et nous faisons des choses. Instead of waiting and ask God, what do you want me to do? À la place d'attendre et de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Where do you want me to go? Où est-ce que tu veux que j'aille? When do you want me to go? Quand est-ce que tu veux que j'aille? And God also have rebuked me about this before. Et Dieu m'a souvent reproché cela auparavant. And so wait for me. Dieu lui a dit, mais attends-moi. Several times he said to me. Plusieurs fois il m'a dit. Don't just run away. Mais ne t'en cours pas, ne va pas simplement t'en courir. Wait for me to give you. Tell you the specific mission. Attends que je te dise à propos de cette mission spécifique. I remember the first time I went evangelizing. Je me rappelle la première fois que j'ai été évangélisée. And I just went around telling people about Jesus. J'allais simplement un peu partout pour raconter à propos de Jésus. And then I felt God said, ask me to send you the right people. Mais après, Dieu m'a dit, en fait, attends que je t'envoie vers les bonnes personnes. Ask me to lead you to the right people. Demande-moi de te conduire vers les bonnes personnes. And so I did. Et je l'ai fait. And first time it took 30 seconds. La première fois, ça m'a pris 37 secondes. For someone come up to me. Pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers moi. So what are you doing? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? It was a Muslim. C'était un musulman. And he wanted to Jesus. Il a dit, je veux entendre à propos de Jésus. So Jesus told me, don't not just go to some country. Donc Jésus m'a dit, mais ne va pas simplement comme ça vers n'importe quel pays. Ask me where I want you to go. Demande-moi où tu voudrais bien que j'aille. I remember I was laying in my bed. Je me rappelle, j'étais couché dans mon lit. Praying. En train de prier. And I felt God said, ask me to open the door for you to Tanzania.
J'ai vraiment senti Dieu qui me disait, demande-moi d'ouvrir les portes pour aller en Tanzanie. I said, God, open the door for me to Tanzania. Alors je lui ai dit, Dieu ouvre les portes pour que j'aille en Tanzanie. Then I continued to lay there in my bed praying for 3 hours. Et là, je suis restée dans mon lit à prier pendant 3 heures. And I had my computer in the bed. Et j'avais mon ordinateur avec moi sur le lit. Suddenly, I got a mail from someone I never heard about. Et tout à coup, j'ai reçu un email de quelqu'un que j'avais jamais entendu auparavant. And it was a bishop with 50 churches. C'était un évêque avec 50 églises. And since then, he's been inviting me there every year. À partir de ce moment-là, depuis lors, il m'a invité chaque année. Et toi, en Tanzanie. In Tanzania, yeah. Okay. Yeah. But also I find that many times j'ai trouvé que plusieurs fois I've been so focused j'étais si concentré about the proper order à propos de l'ordre correct that I forget what it's all about. Que j'avais carrément oublié de quoi il s'agissait. You become so focused. Vous devenez tellement concentré. On where to go. Vers où vous devez aller. Because you want everything to be perfect. Parce que vous voulez que tout soit parfait. Lord, is it Angola or Kenya? Est-ce que, Seigneur, est-ce que c'est Angola ou Kenya? And then when you find out, is it, do you want me to travel on Monday or Tuesday? Et quand vous avez la réponse, vous dites, est-ce que je dois voyager le lundi ou le mardi? God, do you want me to travel with KLM or Brussels? Seigneur, est-ce que tu veux que je voyage avec KLM ou Brussels? Of course, it says Brussels. Of course, naturellement, il dit Bruxelles. But I remember, you know, Jesus talked about to the Pharisees. Mais je me rappelle que Jésus a parlé aux pharisiens. You are trying, you're swallowing the camel. Wow. You are, the camel as yes. The camel. Oui, mais you're swallowing the camel. Yeah. I don't know how I can translate that. You eat the camel. Traduit littéralement, vous avalez le chameau. As you try to remove the mosquito, the bug. Quand tu essaies de faire partir les moustiques. And then you swallow the camel. Et à ce moment-là, tu avales carrément le chameau en entier. You said the Pharisees were so busy trying to keep the law. Ah oui, les pharisiens, en fait, les pharisiens étaient tellement occupés à vouloir garder la loi à la lettre. Every detail. Tous les petits détails. And they forgot about what it's all about. Et qu'en même temps, ils oubliaient de quoi il s'agissait. About love and mercy. À propos de l'amour et de la grâce. About people. À propos des gens. You know, my flesh. Vous savez, ma chair. Like to be on TV. Aime bien d'être à la télé. True. C'est vrai. My flesh likes to have my own TV programs. Donc ma chair me dit que moi j'aime bien d'avoir mon propre programme à la télé. My flesh likes to stand on a platform in Africa and speak to thousands. Ma chair aime bien d'être sur une scène et de parler à des milliers de gens en Afrique. Sometimes I've been wondering. Parfois je suis en train de me demander. What have been driving me? Qu'est-ce qui me guide? What has been my motivation? Quelle est ma motivation? Quelle a été ma motivation? And I found sometimes. J'ai trouvé quelquefois. It's not only godly. C'est pas tout à fait pas exactement ce que Dieu veut. Oh, I want to be the first to an unreached people group to plant the flag. Donc j'ai voulu être le premier à planter le drapeau. Say, I was the first there. Sorry, again. I was the first to preach Jesus there. J'étais le premier à prêcher Jésus à cet endroit. And I found out. J'ai trouvé. It's not only what you do. C'est pas seulement ce que vous faites. But why do you do it? Mais pourquoi vous le faites? What is your and my motivation? Quelle est votre ou ma motivation?
And how do I do it? Et comment est-ce que je le fais? You know, as you read in the beginning of Acts, quand vous lisez dans le début des Actes, John and Peter are walking to the temple. Jean et Pierre marchaient vers le temple. They see a man sitting there asking for alms. Ils voyaient un homme qui demandait fort. Qui demandait de l'argent. And they say, silver and gold we do not have, but what we have we give to you. They heal the man. Ah, ils ont guéri l'homme. And if you continue, if you read a little later, si vous lisez un peu plus tard, you see that because of this miracle, vous voyez que à cause ou grâce à ce miracle, there is a revival. Il y a eu un réveil. And you know, as a new born again, et vous savez, quand on revenait de nouveau, when I read this story, quand j'ai lu cette histoire, what I saw, ce que j'ai vu, was great manifestations of God's power in action. C'était la grande manifestation du pouvoir de Dieu en action. I saw sign and a wonder. C'était des signes et des miracles. And then I saw this was a key. This was a key miracle for our revival. Ça, c'était vraiment un miracle clé pour le réveil. But later I was thinking, what does God see? Mais après, je me suis demandé, mais qu'est-ce que Dieu voit? And I said, why did God put this? Pourquoi Dieu this story in the Bible? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que cette histoire là soit dans la Bible? And I think God saw this person. Et je pense que Dieu a vu cette personne. Not only as a number in a line for healing. Pas seulement un numéro parmi ceux qui l'ont guéri. He did not only see a manifestation of power. Il a pas seulement vu une manifestation de la puissance. Or a key miracle for revival. Ou bien un miracle clé pour le réveil. He saw this one person. Il a vu cette personne en particulier. He sees you. Il voit vous. And I believe his heart was gripped with compassion for this person. Et je pense que son cœur était plein de compassion pour cette personne. And a desire to do something for this person. Et le désir de faire quelque chose pour cette personne. And I believe his love. Et je pense que son amour was the force that made him to come and do something. C'était cette force qui demandait de venir là et de faire quelque chose. I find myself many times. Je me suis rendu compte, nous comme moi-même, beaucoup de fois. Oh God, send power, power, power. La puissance de Dieu, la puissance. The miracles work. Oh Seigneur, fais des miracles. Wake up some dead people, Lord. Oh Seigneur, ressuscite quelques personnes. We forget why. Mais on oublie pourquoi. And I find myself sometimes my motivation is not what the same as God's motivation. J'ai réalisé parfois que ma motivation n'était pas nécessairement celle de Dieu. If you go with me to 1 Corinthians. Si on va à Corinthiens. Chapter 13. À Corinthiens chapitre 13. Is there a voice from verse 1? Though I speak with the tongue of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass and a clanging cymbal. Donc le chapitre 13, verset 1 dit: supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. And though I have the gift of prophecy and understanding all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I can remove mountains, but have not love, I am nothing. Je pourrais transmettre des messages aussi de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.
Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et m'enivrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, ça ne me sert à rien. And I started to think. J'ai commencé à penser. How much of what I've done. À propos de ce que j'ai déjà fait. Profits me. Est-ce que ça me rapporte quelque chose? If you go to 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Donc dans le premier, dans Corinthiens 1, chapitre 3, chapitre 3. According to the grace of God which was given to me, I am as the master builder, I will lay the foundation and another man builds on it. But each one take heed how he builds on it. What's 10? Yes. For no other foundation can anyone lay that which is laid, which is Jesus Christ. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, or straw, each one's work will become manifest, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. Certains utiliseront de l'or, de l'argent et des pierres précieuses pour bâtir ses fondations, d'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu. Et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet as through fire. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. And back to 1 Corinthians chapter 13. You don't need to open it. Donc on retourne au chapitre 13 dans 1 Corinthiens. It says, if you do this and this and this, si vous faites ça et ça et ça et ça, but do not have love, mais que vous n'avez pas l'amour, it profits you nothing. Ça rapportera rien. Nothing. Rien. Nothing. Rien. If you go to Matthew chapter 7. Si on va dans Matthieu chapitre 7. 7:21. Chapitre 7, verset 21. It says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father in heaven. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Many will say to me that day, Lord, Lord, have you not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Aujourd'hui, les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. Then I will declare to them, I never knew you. Ne le sais-tu pas, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous loin de moi, vous qui commettez le mal. It's not only about what we do. C'est pas seulement ce que nous faisons. But why? Et pourquoi nous faisons? And how? Et comment nous faisons? Going into Romans chapter, no, 1 Corinthians chapter 5. Nous retournons à 1 Corinthiens chapitre 5. Second Corinthians, chapter 5, verse 14. This is, for the love of Christ constrains us. Donc 2 Corinthiens 5. C'est ça, chapter 5, verse 14. Verset 14.
En effet, l'amour du Christ nous domine. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous et donc que tout on part à sa mort. The love of Christ constrains us. Paul says he was constrained by the love of God. He was compelled by the love of God. He was ruled. En fait, Paul dit qu'il était vraiment pris par l'amour du Seigneur, vraiment poussé. Comment? Étonné. C'est pas vraiment ça. Enfin, mais, bref, on comprend le sens. Hein. I thought, I want to be compelled by the same thing. Moi, je veux être concerné, être submergé par la même chose. I want that His love, the love of God, to be my motivation. Je veux que l'amour de Dieu soit ma motivation. What constrains me, compels me, rules me. Celui qui me domine, celui qui me fait agir. And I ask God, let me have Your eyes to see what You see. Et je demande à Dieu d'avoir ses yeux pour voir ce qu'il voit. Let me see people as You see them. Fais-moi voir les gens comme toi tu les vois. Let me see myself as You see me. Fais-moi voir moi-même comme tu me vois. And I find there is something. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. When I'm driven by the love of God. Quand je suis conduit par l'amour du Seigneur. Greater miracles happen. De grands miracles se passent. You're just passing by some person in the street. Je suis passé à côté d'une personne dans la rue. And I just felt this love of God. Je sens tout à coup cet amour de Dieu. And someone just passing by me. Il y a quelqu'un qui passe près de moi. And I heard they were talking. Et j'entends qu'ils étaient en train de parler. And the one said to the other. Un qui dit à l'autre. Is your eye still hurting? Est-ce que ton œil se sent encore toujours mal? He says, yeah, it's still painful. Oui, c'est toujours aussi douloureux. And I just turn. Et je me tourne. And I said, do you want to be healed? Je me tourne vers cette personne et je dis, est-ce que tu as envie d'être guéri? He says, no. Il dit non. And then they go to another like 10 meters away. Et puis ils vont un peu plus loin, à peu près 10 mètres. I thought, this love. Et je sens cet amour. He's not going to take no for a no. Il va pas accepter que la personne dise non. See, I just shout to him. Et j'ai crié vers lui. But God heal my own que Dieu bénisse ton œil maintenant. Then he turns and he curses. Et puis il s'est tourné et il m'a maudit. And he said the pain is gone. Mais vraiment la douleur est partie. My eye is fine. Mon œil est bien, il est en bonne santé. Now God wants to do miracles here as well. Vous savez, Dieu veut faire des miracles ici également. He can do a miracle here right now. Il peut faire un miracle ici et maintenant. Whatever your need is. Peu importe ce que vous avez. 2 days ago. Il y a 2 jours. There's a family. Il y avait une famille. They're not Christians yet. Ce ne sont pas des chrétiens, pas encore. But they have seen when I pray for people. Mais ils ont vu quand je priais pour des gens. That they received healing. Qu'ils ont reçu la guérison. So now they believe in prayer. Non, mais non, ils croient déjà dans la puissance de la prière. And they call me when they're in trouble. Ils m'appellent quand ils ont des problèmes. So I get a message. Non, j'ai reçu un message, donc. Our cat is gone. Notre chat est parti. I mean, the people were dying to ask for prayer. Il y a des gens qui sont vraiment, ils ont tellement besoin de prière. And then I get this message among all these dying people. Et puis j'ai reçu des messages de tous ces gens. Can you pray for the cat? Est-ce que vous pouvez prier pour ce chat? Because we have searched everywhere. Parce qu'on a cherché partout. It's not in the house. Il n'est pas dans la maison. We looked in the closets. On a regardé dans les armoires. Under the bed several times. On a enfoui des lits plusieurs fois. And they said, it's no chance, it's in the house. C'est évident, il n'est pas dans la maison. The husband has been out in the rain bicycling for an hour. Ça va
the husband in the family. Ah oui, le mari de la famille est allé plusieurs heures en vélo dans les environs. Looking in the forest for 1 hour in the rain. Il a regardé pendant, il a cherché pendant une heure dans la forêt. No cat. Pas ça. So the sender of this message, pray for the cat. Alors, le message demandait prier pour le chat. So I pray for the cat. Donc il a prié pour le chat. I feel the power of God as I pray. Et je sentis la puissance de Dieu dans cette prière. God cares for all fields of life. Dieu se soucie de toutes les formes de vie. Actually, I was going to visit them. En fait, j'allais aller les visiter, les faire visite. But when I arrived, they had gone to bed. Quand je suis arrivé, j'étais déjà allé les visiter. I just opened the door. J'ai simplement ouvert la porte. And there, just inside the door, sits the cat. Et juste à l'entrée de la porte, il y avait le chat qui était assis. And one of the mother in the family wakes up. And la mère de la famille s'est réveillée. And she says, maybe it's not a real cat. Oh. Elle a dit, mais peut-être que c'est pas un vrai chat. Because it's not here. Parce qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Maybe you saw a vision or something. Maybe you saw like a vision. Oui, mais peut-être que vous avez une vision de voir ce chat. But then the cat comes and she holds the cat. Mais le chat est venu et l'a pris dans ses bras. She says, this is not possible. Ce n'est pas possible. And she says, surely now I believe in miracles. Eh bien maintenant, absolument, je crois dans les miracles. I think God cares for the cat. Je pense que si Dieu se soucie d'un chat, surely he cares for you. Sûrement qu'il va, il va se soucier de vous. He can do anything. Il peut faire n'importe quoi. Il peut tout faire. You know, many times when I go out, plusieurs fois quand je sors, we see that there are so many needs. Quand nous sortons, nous voyons qu'il y a tellement de besoins, tellement de demandes. And we think that I'm so small. Et on pense, oh oui, mais nous, on est tellement petits. I'm only me. Je suis moi toute seule. What difference can I make? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la différence que je peux faire moi? Sometimes I feel so small. Parfois, je me sens si petit. And all these crying people. Et tous ces gens qui pleurent. With so much pain. Avec toute cette douleur. With so much suffering. Toute cette souffrance. And I thought, if I help one. Je pense, si j'en aide un. If I feed one. Si j'en nourris un. There's still thousands. Peut-être que j'en nourris des milliers. Sending me messages every day. Je reçois des messages tous les jours. You meet them on the street. Sorry. You meet them on the street. Je reçois des messages ou bien je les rencontre sur la rue. And I heard a story about a little boy. J'ai entendu l'histoire d'un petit garçon. He's standing at the beach. Qui était sur la plage. There's been tide water. Et il y avait la marée. Thousands and thousands of sea stars on the beach. Il y avait des milliers et des milliers d'étoiles de mer sur la plage. Crying in the sun. Qui étaient en train de sécher au soleil. And this boy is taking off one at a time, throwing it into the sea. Et il les prenait chacune à leur tour et il les jetait dans la mer. And there's an adult passing by. Et puis il y a un adulte qui passe par là. And he sees the boy. Et il voit le petit garçon. And he says, what you do does, it doesn't help. Mais ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien. It doesn't make a difference. Mais ça ne fait pas la différence. Because you can stand there all day throwing the sea stars. Tu peux rester là toute la journée en train de jeter les étoiles de mer dans la mer. And there's still thousands and thousands and thousands. Il y en a toujours des milliers et des milliers et des milliers. And this little boy, he holds a sea star in his hand. Et le petit garçon, il tient une étoile de mer dans sa main. He's looking at the man. Et il regarde l'homme. Look at the sea star. Et il regarde l'étoile de mer. And says it counts for this one. Il dit ça compte pour celle-là. It makes a difference for this et one. Ça fait la différence pour celle-là. And throws it into the water. Et il la jette dans l'eau. Maybe you can't help everyone. Bon, peut-être que vous ne pouvez pas aider tout le monde. But you can make a difference for someone out here in the street. Mais tu peux faire la différence. Tu peux marquer le coup pour une personne que tu rencontres. Your neighbor. Par exemple, ton voisin.
Jesus, love your neighbor as yourself. Jésus, aime ton voisin comme toi-même. There's a man in Matthew 25, I think. Il y a un homme dans Matthieu 25, je pense. He's asking Jesus, my neighbor. Qui dit, Jésus est mon voisin. And Jesus tells a story, a parable. Et Jésus raconte cette parabole. About a man. À propos d'un homme. And he's caught. There are some robbers that take everything. Yeah. Il a rencontré des voleurs qui lui ont tout pris. And they beat him. Ils l'ont battu. They're leaving him there naked on the side of the road. Ils l'ont laissé nu sur le côté de la route. And then there is a priest passing, coming and seeing. Et puis il y a un prêtre qui est passé et qui l'a assisté. C'est pas moi. Ah, c'est Luc. La parabole du bon samaritain, en fait, hein, tout le monde connaît. Luc 25, I think, Pastor? Luc 25, yes. Never mind. Non, never mind. Mais c'est un exemple. Yeah, okay. Je vais traduire ce qu'il dit. He sees this man, the priest sees this man, and he's just passing by. Le prêtre voit cet homme, mais il passe juste son chemin. He says, this is not my problem. C'est pas mon problème. What I have is not enough. Ce que j'ai n'est pas suffisant. Let someone else deal with it. Que quelqu'un d'autre s'en occupe. And the same is a Levite passing by and doing the same. Et de la même façon, un Lévite passe sur le chemin, à côté du chemin, et il a la même réaction. Yes, the Samaritan coming. Et puis il y a un Samaritain qui passe. Where people do not like to go. Là où les gens n'ont pas envie. Samaria. La Samaria. And he has compassion with the man. Il a la compassion pour cet homme. And he shares what he has. Et il partage ce qu'il a. He clothes him in his own clothes. Il lui met ses propres vêtements. Put him on his donkey. Il le met sur son âne. And bring him to town. Et la porte à la ville. And I'm paying for him. Et il paye même pour lui. Sometimes, you know, I'm be asking God, God, send it, give me a bigger crowd. Parfois, je demande à Dieu, Dieu, donne-moi une plus grande foule. But it's not about a crowd. C'est pas à propos de la foule. God sees not only a crowd. Dieu ne voit pas seulement une foule. He sees one person. He sees you. Il voit une personne. Il vous voit. He sees everyone. Il voit chacun d'entre vous. So he's gripped with compassion. Et son cœur est rempli de compassion pour vous. And I think it's not. It's about seeing that one person. C'est à propos de voir cette seule personne. In the market. Au marché. On the bus. Dans le bus. I remember I sat on the bus. Je me rappelle, j'étais dans le bus. And I had a chocolate. Et j'avais un chocolat. And I just asked the one coming, do you want to share my chocolate? Et je demandais à la première personne qui venait, est-ce que tu veux partager mon chocolat? After 10 minutes on the bus, he came back to me. Après 10 minutes, il est revenu vers moi. And told me how much it meant to him that I just asked him to have a chocolate. Il m'a raconté que le bien que ça lui a fait que je lui demande de partager mon chocolat. Just on the street, I felt the Holy Spirit tell me to go and hug one person. Donc parfois je suis dans la rue et je sens que le Saint-Esprit me demande d'aller embrasser une personne. And the person starts crying. And the person starts weeping. Et la personne commence à pleurer. It's not that hard. C'est pas si difficile. It's about those people we meet every day. C'est à propos des gens que vous rencontrez tous les jours. And we can become the love of God in action. On peut devenir l'amour de Dieu en action. We can make a difference. On peut faire une différence.
If you go back to 1 Corinthians, si on retourne à 1 Corinthiens, chapter, if you go to chapter 13 again, chapitre 13 à nouveau, chapter 13 is about the motivation, it's about love. Donc le chapitre 13, c'est à propos de la motivation et de l'amour. And the chapter before and the chapter after, le chapitre avant et le chapitre après, it's about how we can make this love practical. C'est à propos de la façon dont on peut rendre cet amour pratiquement en pratique. I'm thinking if John and Peter came up to the sick man at the temple. Si Jean et Pierre sont arrivés près de cette personne malade près du temple. And says, "Oh, we feel so sorry for you." Ouais, et qui lui ont simplement dit, oh, on est vraiment désolé pour toi. We have compassion with you. On a de la compassion pour toi. And then just go. Et à ce moment-là, ils s'en vont, ils ne font rien d'autre. It wouldn't really help him that much. Ça ne l'aurait vraiment pas aidé. Hein. But God has given us the gifts of the Spirit. Mais Dieu nous a donné les dons de l'Esprit. That the love of God can become practical. Que l'amour de Dieu devienne pratique. That we can love people not only with words. Et qu'on aime des personnes pas seulement avec des mots. But we can make a difference. Mais que nous puissions faire une différence. You know, Jesus says in John 15, verse 5. Dieu nous dit dans Jean 15. Verset 5. It says, "Without me, you can do nothing." Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. You can do nothing. Vous ne pouvez rien faire. And believe me, I have tried. Et croyez-moi, j'ai essayé. I've done a lot of things. J'ai fait plein de choses. For God. Pour Dieu. I've tried so many things. J'ai essayé tellement de choses. I thought I'm doing such a good work. Je pensais que je fais vraiment un excellent travail. But it wasn't very fruitful. Mais il n'y avait pas beaucoup de fruits, hein, ça ne donnait pas grand chose. It didn't really last. Ça n'a pas duré longtemps non plus. The Bible is talking about Jesus. La Bible nous parle à propos de Jésus. Who is the one who baptizes in the Spirit and in the fire of God. Qui est celui qui baptise dans l'esprit, dans le feu de Dieu. The fruit of the Spirit is love. Le fruit de l'esprit est l'amour. God is love, the Bible says. La Bible nous dit que Dieu est amour. The Bible says the Lord is the Spirit. La Bible dit que le Seigneur est l'esprit. When you are baptized in His Spirit, quand tu es baptisé dans Son Esprit, it's like a baptism of love. C'est comme un baptême d'amour. Because without Him, we can do nothing. Parce que sans lui, on peut rien faire. But not only want to baptize us in His love, in His Spirit, but also in His power. On n'est pas seulement baptisé dans Son amour et Son Esprit, mais on est baptisé également dans Sa puissance. You want to change your inside. Il veut nous changer de l'intérieur. Our motivation, our character. Notre motivation, notre caractère. And he wants to empower us that this can become practical, this love. Il veut nous donner la puissance, le pouvoir que cet amour devienne pratique. And more I see how dependent I am. Et de plus en plus, je vois combien dépendant je suis. By His Spirit. Je suis dépendant de Son Esprit. And sometimes I think, oh Lord, I don't have time. Parfois je dis au Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Just sit at Your feet. Mais. To just be with You. Mais j'ai pas le temps d'être simplement, de me trouver simplement près de Toi. Because I'm going to save the world. Parce que je veux sauver le monde. But then I find out. Et puis je découvre, after trying and failing a lot, après avoir essayé et raté pas mal, without Him I can do nothing. Que sans lui je ne peux rien faire. And I got to take that time with Him alone. Je veux prendre ce temps d'être avec lui tout seul. And be transformed by His Spirit. Et être transformé par Son Esprit. This love. Son Esprit d'amour.
I believe God will touch you tonight. Je suis convaincu que l'amour de Dieu va vous toucher ce soir. With His Spirit. Avec son esprit. With His love. Avec son amour. With His power. Avec sa puissance. The Bible says, "My Spirit on all flesh." God says, "My Spirit on all flesh." Let's just stretch up our hands. If you want. And just ask Him to come and touch us. And pour out His Spirit in us and upon us. In Acts chapter 2, they were baptized. The flames of fire came upon them. Dans Actes chapitre 2, il est dit que le feu est venu au-dessus d'eux. Spirit of God came upon them. L'Esprit de Dieu est venu sur eux. They're filled with the Spirit. Et ils furent remplis de l'Esprit. In chapter 4, they're filled again. Dans chapitre 4, ils ont été remplis de nouveau. Paul says in Ephesians, be filled with the Spirit. Paul dit dans Ephésiens qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Be filled with the Spirit. Soyez remplis de l'Esprit. Be filled with the Spirit. Soyez remplis de l'Esprit. God wants to pour His Spirit over you. Dieu veut vous remplir de l'Esprit. The Spirit of God is first with you. L'Esprit de Dieu est avec vous. To convict you and bring you into salvation. Pour vous convaincre d'être apporté au salut. And then He says it comes in you. Et puis il dit, il vient au-dedans de vous. The point of salvation. It comes in you in John chapter 21. Il vient en vous dans Jean chapitre 20 or 21. 21. But God, Jesus still says, abide in the city. Mais Jésus dit until you are endued with power from on high. Luke 24. Dans Luc 24, il est dit 49. Say it again. You will be endued, you will be dressed with power. Vous allez être recouvert de puissance. God will give you, He will clothe you with His power. Il va vous revêtir de sa puissance. He comes in you for fellowship. Il va venir avec vous pour. He comes upon you for ministry. Il va venir vers vous pour le ministère. The Spirit, His glory, make you to be. Donc l'Esprit de gloire va vous revêtir. And His power and His fire makes you to. Et sa puissance et son. To act and to do and to speak. Vous fait agir et vous fait parler. He's here. Il est ici. And before the service, et avant ce service, I saw several visions. J'ai eu plusieurs visions. About, I believe God wants to do good things. Je suis convaincu que Dieu veut faire de bonnes choses. In your life. Dans votre vie. I don't know what your need is. Je ne sais pas quel est votre besoin. But above all, au-dessus de tout, we depend on His Spirit. Vous dépendez de son Esprit. We need Him so much. Vous en avez besoin tellement. Without Him, we can do nothing. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. So we ask you, Heavenly Father. Maintenant, nous demandons au Père Céleste. Come. Viens. Come and have your way. Viens et ton chemin et ta voix. Breathe upon us. Sois sur nous. The Bible says, blessed are the poor in spirit. The Bible says, blessed are the poor in spirit. La Bible dit, bénis sont les pauvres d'esprit. When you're hungry, quand vous avez faim, you're desperate for Jesus. Quand vous êtes désespéré pour Jésus.
d'avoir Jésus, de connaître Jésus. When you have nowhere other way to turn. Quand tu n'as plus, tu ne sais plus de quel côté te tourner. When you have no plan B or C. Tu n'as plus de plan A ou B, B ou C, pardon. When you really need a miracle. Quand tu as vraiment besoin d'un miracle. You really need Jesus. Vraiment, vous avez besoin de Jésus. Will come and fill the hungry. Qui vient et qui nourrit les affamés. The Bible says the Spirit and the bride says come. La Bible dit l'esprit de l'épouse. The Spirit and the bride says come. L'esprit et l'épouse vient. The Spirit of God says come. L'esprit du Seigneur vient simplement. And he is thirsty. Let him come. Et que ceux qui ont soif viennent. Lord, so you can have the water. Living water for free. Dieu dit, vous pouvez recevoir l'eau gratuitement. You can have his spirit for free. Vous pouvez recevoir son esprit gratuitement. Jesus paid with his blood. Jésus a payé avec son sang. The Bible said that the ministry of condemnation had glory. La Bible dit le ministère de la condamnation et de condamnation. And it says that how much more? The Bible says that the ministry of the Spirit and the ministry of righteousness exceeds much more in glory. La Bible dit que le ministère de la justice, Pasteur, oui, s'il vous plaît. By faith in Jesus, you are made righteous. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes devenu juste. Through his blood. Rempli de son sang. Through his blood. Through the blood of Jesus. I had this vision. I saw myself standing in the holy. And in front of me I saw this door to the most holy. And this vision, it was not like a carpet, but more like a door. Dans ma vision, c'était pas comme un tapis, c'était comme une porte. And I felt God said I should hold on to righteousness by faith. J'ai senti que Dieu me disait que c'était ni par la justice, mais par la foi. And when I said, Lord, I receive that, I stand on that. Alors j'ai dit, Dieu, je reçois ça, je tiens ferme à propos de ça. And I'm justified and I'm righteous by faith in you alone. Je suis justifié et je suis justifié, oui. And then I saw these doors to the most holy place just open up. Et puis j'ai vu les portes qui donnaient vers le lieu très saint, je les ai vues s'ouvrir. It's something when we understand and really receive what he did for us. Quand on comprend et qu'on reçoit vraiment ce que tu as fait pour nous. We are justified by faith in heaven. Quand on est donc justifié par la foi au ciel. Then his glory can manifest more in our life. Alors sa gloire peut se manifester encore plus fort dans notre vie. His spirit can operate freely. Son esprit peut agir librement. The fruit of the spirit is love. Le fruit de l'esprit c'est l'amour. Jesus, just continue to receive. Jésus, simplement continue à recevoir. Just receive. Recevez. Just receive. Recevez. Receive of his spirit. Drink of his living water right now. Bois de cette eau vivante maintenant. You need more, take more. Si tu as besoin de plus, prends plus.
But with how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Que ceux qui demandent le Saint-Esprit, Dieu leur donne aussi souvent, enfin, autant qu'il le demande. Father, I speak to every sickness in this place. Dieu, le Père, je parle à toutes les maladies qui sont dans cette place. Every disease. À toutes ces maladies. I rebuke you in Jesus' name. Je les réprimande au nom de Jésus. I bind up every force of darkness and every evil spirit in Jesus' name. Je lis toutes les forces du mal et tous les esprits mauvais au nom de Jésus. Amen. And I bind you and command you to get out of this place in Jesus' name. Je commande, j'ordonne que toutes ces forces soient libérées au nom de Jésus. If you're sick and you want a miracle, or you want any kind of miracle, just say one more than yourself. Jesus. I speak to every body and every soul, be made whole. Je parle pour que chaque esprit, chaque âme soit rendue parfaite. Father, come into miracles right now. Seigneur, viens et fais des miracles maintenant. In every field of life. Dans tous les domaines. Jesus, you told me to preach the gospel and heal the sick. Jésus, tu m'as demandé de prêcher l'évangile. Just receive. Just take it, whatever your need is. Because He's touching you. He's touching you. He's downloading the revelation right now. He touched your heart right now. His Spirit is filling you right now. Heavenly Father, come and fill everyone with your Spirit. Just ask Him and thank Him. Simplement demande lui et remercie-le. And test out. Test out what you could not do. Et test tout à voir ce qu'il ne savait pas faire. And as you go out to this meeting, continue to receive. As He continues to pour out of His Spirit on your life. Very, very much.
Thank you.